bien, je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne. Merci d'être là. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Capucine et je fais des vidéos sur l'alimentation, le sport, les recettes, un mode de vie sain et l'organisation. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et en plus de ça, la déco, l'aménagement, voilà, ça c'est vraiment tout ce que j'aime faire et ce que vous verrez sur cette chaîne. Je vous retrouve dans cette vidéo en collaboration avec luminaire.fr. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo et je suis trop contente de collaborer avec eux sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi toute la journée parce que c'est ce que vous préférez, c'est le format que vous préférez voir sur ma chaîne, ce sont les vlogs. Récemment, je vous ai demandé sur Insta ce que vous vouliez voir et c'est vraiment ce qui est revenu le plus, c'est les vlogs, les recettes, l'alimentation, l'organisation. J'ai aussi eu des demandes sur les troubles du comportement alimentaire, les TCA, et mon parcours avec l'alimentation, etc. Donc ça, je trouve que ça pourrait être une série que je pourrais vous partager au fur et à mesure des semaines et des vidéos. La vidéo de la semaine prochaine sera une vidéo sur What I Eat in a Week. Donc ce sera vraiment une vidéo de ce que je mange sur une semaine en termes de repas du soir. Comme ça, ça vous donnera vraiment une idée de repas variés pour le soir. En sachant que moi, je mange à 99% du temps végétalien, Romain mange de tout. Donc comme ça, je peux aussi vous montrer des adaptations à faire si vous êtes dans le même cas ou si vous voulez des fois manger de cette façon-là. Moi, je trouve que ça peut être super chouette. Donc ça, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Ici, mon but de cette journée, c'est vraiment d'organiser la semaine, d'aller faire les courses, de vous faire découvrir un nouveau magasin qui est à Maastricht et qui est spécialisé dans tout ce qui est, dans tout ce qui est asiatique. J'adore ce magasin, donc j'ai vraiment envie de vous le montrer et on va... voilà, je vais vous partager tout ce qu'on va faire cette semaine en termes de repas. Et j'aimerais aussi vous faire un petit update de l'appartement en termes de déco. Parce que là, ça va faire un an que j'ai posté l'appartement de Tours. Et à l'époque, on venait d'emménager, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc je trouve que ça pourrait être chouette de vous montrer à quoi il ressemble maintenant. Et peut-être avoir vos retours, vos avis, vos conseils par rapport à la déco et comment vous verrez les choses. D'abord chez mes parents pour déposer Harvey. Et puis on part à Maastricht. Let's go! Je m'organise. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, je note tout dans mes notes. Je vais noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec les repas qu'on a prévus. Et s'il y a une variation entre moi et Romain, par exemple, il va manger des raviolis, moi je vais manger un bouddha boule avec du tofu. Et mercredi, lui va manger un saumon grillé avec des pâtes au pesto. Et moi je vais manger la même chose, sauf que le saumon sera encore une fois du tofu. Donc voilà, à chaque fois, je fais des adaptations. Et ça, comme je l'ai dit, je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et ensuite, je vais, en fonction de la recette, en extraire les ingrédients et noter rayon et par magasin les ingrédients. Donc ici, magasin asiatique, je note tout ce qu'il me faut, Deleuze ou autre, je note tout ce qu'il me faut. Et à chaque fois, dans le magasin, je vais à chaque fois noter un petit V. Un petit V à côté de dès que je l'ai trouvé dans le magasin et ça me permet bah, de rien oublier, d'être bien organisée, d'aller très très vite et de, voilà, de passer un bon moment et pas que ce soit une pure angoisse. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider, je ne sais pas comment vous faites. Ici bah, je me sens vraiment bien organisée avec cette méthode. Alors j'ai repris des petites wakame. Alors ici vous avez goût kimchi, donc le chou fermenté dont je vous ai déjà parlé, ou vous avez le vert qui est au wasabi. Alors ça, vous pouvez les manger comme des chips ou alors vous pouvez les manger avec votre repas, avec du riz par exemple, et le mettre dedans un peu comme des sushis, c'est super bon. J'ai pris des nouilles de riz, donc ça c'est des 100% riz. J'ai repris aussi du gingembre
pour les sushis. Ce soir, je fais des sushis. Je vais vous montrer la recette. On va faire ça ensemble. Et Romain est fan de gingembre. Donc, je lui ai pris deux pots, un rose, un blanc. J'ai repris du curry. Alors, d'habitude, j'utilise toujours du jaune. Et c'est vrai que là, on en a un peu marre avec Romain. Donc, je me suis dit que j'allais changer de couleur. Donc, j'ai pris un vert qui est, je pense, beaucoup plus piquant. Oui, parce que le premier ingrédient, c'est chili vert, 31%. Donc ça, on va le tester aussi la semaine qui vient. J'ai pris des champignons comme ceci. Ce sont les King Oyster Mushroom. Donc je ne sais même pas comment on les dit en français. Mais ils sont vraiment top pour remplacer la viande. Ils sont très bons grillés. Moi, je vais plus les utiliser comme du poulet pour des tacos. Alors, j'ai repris du wasabi. Bien sûr, du lait de coco. Du riz de sushi. J'ai repris du tempeh. Donc celui-là, il est trop bon. Et au niveau du prix, il est vraiment pas cher. Et vous avez vu la quantité, il y a presque 400 grammes. J'ai récemment réalisé des gyoza moi-même. Mais bon, c'est un travail de fou. Et ici, au magasin, j'en ai trouvé des véganes à base de tofu et de légumes. Et les ingrédients, franchement, ils sont parfaits, quoi. Il y a rien de... Enfin, tout est bien. Donc j'en ai pris... deux paquets et on en mangera ce soir et je vais vous dire si c'est bon ou pas, mais je suis quasi certaine que ça va être délicieux. Je vais les mettre au congélateur. J'ai aussi repris du jackfruit, donc ça c'est un fruit que j'avais découvert en Thaïlande à l'époque avec ma maman et mon frère, qui est juste incroyable. Et de la mangue. Alors celle-ci, je l'utilise pour mes préparations du style rouleau de printemps. Elles ont un goût mais incroyable. De la citronnelle. Magnifique bâton de citronnelle. J'ai pris de la wakame. Donc ici on a deux paquets. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les magasins traditionnels, un tout petit pot de wakame, c'est 3-4 euros. Et ici on a 500 grammes de wakame et on a 2,50 euros, quoi. Donc c'est hyper intéressant au niveau du prix. L'eau de coco, 3 bouteilles. Et de la miso, donc c'est de la pâte de miso pour faire des soupes miso ou des pho, etc. Donc ça, je vous partagerai aussi une recette dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté au magasin asiatique. J'en ai eu pour 73 euros. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée des prix. Et voici tout ce que j'ai acheté sur le plan de travail. Donc tout ça, je viens de vous en parler. Ici, c'est ce que j'ai acheté chez Jumbo. Donc, c'est un magasin un peu comme le Delhaize ou le Carrefour, mais à Maastricht. Parce que c'était juste à côté, c'était beaucoup plus simple de faire les deux là-bas. Donc, j'ai repris du tofu, des bananes, des pommes Pink Lady, ce sont mes préférées. Des poivrons, des raisins, des carottes, des avocats. J'ai repris de la farine et de la levure pour faire des pains pita moi-même. De la sauce tomate, j'avais jamais vu ce format là ici en Belgique. Des citrons, j'ai repris du basilic pour le pesto, j'ai de la menthe pour les rouleaux de printemps, des graines de sésame, des graines de chanvre, ça sont vraiment mes deux sortes de graines préférées. Des petits pois, ici c'est du kale déjà lavé et prêt à l'utilisation, donc j'ai pas pu résister. Brocoli, mangue, ça c'est du beurre de cacahuète 100% pour la sauce pour les sushis. Des maïs, des haricots rouges, des kiwis, de la salade. Donc voilà, ça on a tout ce qu'il nous faut pour une semaine avec Romain. Il doit juste lui aller chercher du saumon pour mercredi. Et on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant je vais tout ranger in the fridge. Capucine est sa troisième tenue de la matinée. Changement de programme, ma soeur vient de quitter l'hôpital, je ne vous l'avais pas dit mais elle était enceinte et là elle a accouché, c'était le 21, aujourd'hui nous sommes le 24 et elle quitte l'hôpital maintenant, donc je vais vite aller rejoindre ma maman chez elle pour terminer de tout préparer dans sa maison et je vais voir si je peux vous la filmer ou pas, mais c'est une pure beauté. On est tellement heureux, c'est le premier bébé de la famille et c'est vraiment une sensation hyper étrange d'avoir un nouveau membre dans sa famille. Et je suis bien sûr sa marraine, donc je suis trop contente. C'est vraiment une magnifique petite fille, elle s'appelle Romy, R-O-M-Y. Bon, je suis super excitée, donc je vais y aller. Je
vient de rentrer. Malheureusement, ma soeur n'est pas encore partie parce que la petite doit manger avant de revenir. Donc, je n'allais pas attendre là-bas pendant 2 heures. Donc, je suis revenue ici. Et je vais en profiter pour vous faire l'appartement tour et de vous parler de notre partenaire du jour qui est luminaire.fr. Alors, luminaire.fr, c'est quoi? C'est un site de vente en ligne où vous trouvez des milliers de lampes. Vous avez des lampes d'intérieur, des lampes d'extérieur. Vous pouvez choisir en termes de pièces. Vous avez aussi la maison connectée, des ampoules. Vous avez des lampes pour les bureaux et entreprises. Voilà, vous avez vraiment un tas de choix. Ça a d'ailleurs été plutôt compliqué pour moi de choisir la lampe pour mon intérieur, tellement le choix est vaste. Maintenant, j'ai précisé, j'ai filtré ma recherche parce que je cherchais une lampe pour mettre dans mon salon avec un abat-jour. Voilà, donc ça a été beaucoup plus simple ensuite de trouver la lampe. Je suis ravie de leur service client, du délai de livraison qui a été ultra rapide. J'ai aussi choisi une ampoule connectée pour pouvoir changer un peu la luminosité, etc. Ce qui donne vraiment un salon hyper cosy. Donc ça, je vous montrerai ce soir quand il fait plus noir, la différence, comme c'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, je vous donne toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur leur site. Allez-y les yeux fermés parce que vraiment c'est vraiment super, super chouette. Vous trouverez, si vous cherchez une lampe, vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors voici la lampe choisie, donc une lampe sur pied, arquée, avec un, je pense qu'elle est en fonte, avec un magnifique abat-jour blanc. Je suis vraiment ravie du rendu dans la pièce. J'aime trop trop trop. Comme on avait fait la première vidéo, et vous montrer les changements. Alors déjà ici, en entrant dans la pièce, sur notre droite, on a vraiment aménagé un petit espace qui rend la pièce beaucoup plus chaude. Donc ici c'est le meuble que j'avais eu difficile à monter vu qu'il manquait des vis. On les a commandés sur internet et ça a été parfait. Donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit coin, donc c'est vraiment quand on rentre à droite de l'appartement. Ensuite, on a la cuisine, elle qui n'a pas beaucoup changé, juste un petit peu de déco différente, mais sinon elle reste la même. Ici, j'ai reçu un petit jardin d'intérieur. C'est la première fois qu'on l'utilise, d'ailleurs je vais remettre la lampe. Et ça permet de créer son basilic et de les garder, je suppose, à vie. J'ai reçu ça à Noël de la part de ma tantine, donc je vous ferai un petit update pour savoir si ça en vaut vraiment la peine. On a commencé récemment à boire du café italien qu'on a reçu du meilleur ami de Romain, donc c'est trop trop bon. En ce moment on boit celui-ci et c'est un délice, ça on n'a pas encore goûté. Alors ça, je trouve que c'est hyper pratique, c'est une petite poubelle que j'ai acheté chez Action à 50 cents. Et vraiment, c'est hyper, hyper pratique. Ici, au niveau de la pièce salle à manger, on a changé la table de sens et je trouve que ça donne beaucoup plus d'espace. Donc ici, on a toujours notre table, le panier de Harvey. Dehors, j'ai ajouté des chaises et un petit banc. Là, j'ai ajouté un petit bar, donc on met tout notre alcool. Et ici, on rentre dans le salon qui a aussi pas mal changé. Donc on a ajouté notre magnifique lampe de chez luminaire.fr dont je viens de vous parler. Et on a aussi acheté cette superbe table. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que ça, c'est une déco de Noël qu'il faudrait que je change. Et ici, on a également changé la disposition de la déco.
Et là, il faut que j'achète une plante pour là. Alors, au niveau du reste, la salle de bain n'a pas spécialement beaucoup changé. Donc ça, on reste sur la même configuration qu'avant. Le dressing, je n'oserais même pas vous le montrer, ça c'est une autre affaire. Et au niveau de la chambre, on a un petit peu avancé aussi parce qu'on a ajouté donc une lampe et on a aussi ajouté le meuble qui était initialement dans le salon sur lequel on a posé un miroir avec un peu de déco. Donc voilà, il fait magnifique aujourd'hui, c'est incroyable. Et nos rideaux qui tiennent. Oui, grâce à ma super idée de rideau de douche. Donc voilà, le petit update de l'appartement. Dites-moi si vous avez des conseils ou ce que vous en pensez. Ma soeur vient d'arriver chez elle, donc je fonce voir la petite Romy et je suis pas sûre que je vais pouvoir vous filmer parce que ma soeur aime pas trop, mais on verra. Je viens de rentrer de chez ma soeur, c'était très émouvant, je suis trop contente, mais je n'ai pas filmé parce que elle ne le voulait pas, mais je m'en doutais. Donc là je vais continuer à faire à manger, il est 5h30 et on aimerait bien aller courir. Attendez, je réponds. Voilà, donc je vais continuer le repas de ce soir parce qu'on va courir avec Romain de 6 à 7. Donc il faut que je me dépêche, donc je vais continuer à filmer ça.